vous êtes tous uniques. Vous avez l'histoire différente derrière. Et maintenant, c'est l'heure qu'on commence à être ensemble. Working hard, feel the heat, heart beating. Dripping sweat, moving feet, heavy breathing. See the prize, taste the win, just believe. Réussi à tout faire, enfin, on a tout fait d'ailleurs. Donc si aujourd'hui on fait la même chose, ça serait vraiment super. On peut le faire, genre la simplifier et tout. Après, je bon parle en tant que groupe scène, mais pour l'équipe, j'espère vraiment qu'on va y arriver. Moi aussi. C'est le but, c'est l'objectif. Moi, je veux être première. Faut que dans la tête on positive et ça va aller. Je t'en stressais. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? J'ai peur de tomber en stand. Mais non, je vais me tomber. Non mais j'ai peur parce que Myriam a remplacé Eric et on n'a pas l'habitude de baser ensemble. J'espère qu'on va réussir mais je suis pas sûre. Mais ça prend moi. Je vais pas me faire la Corée toute seule alors que tu la connais pas. Tu connais pas la Corée? Non, elle est jamais sur les comptes. Mais c'est pas drôle les gars. Mais... Non mais sérieusement, écoute, tu m'appelles. Ah oui, mais c'est pas maintenant que tu les apprends. Ah, mais c'est quoi, j'arrive pas. Elle te connaît pas, c'est tout. Mais vous faites pas le tour. Ouais. Non, pas vraiment. Two. Oui. Ah, c'est... Non, mais je descends pas. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Moi, j'arrive pas à ça. Mais c'est cette partie-là. Chaque fois, elle fait 1, 2, 3. Moi, je fais 4 en tout cas. Non, pas pour ça. Moi, j'ai peur pour les autres. Mais moi, je suis stressée parce qu'en même temps. Voilà, aujourd'hui je suis athlète, je suis coach, je suis chef de délégation. Mais Coed ! Pardon, Coed ! Je veux voir la lampe, le nombril et les shirts et les ongles. Je vous rappelle de bien serrer les yeux et de bien serrer les chaussures. Pour éviter d'y penser quoi. Voilà. Ouais, je profite. J'aime bien l'ambiance de la chaleur. Enfin, c'est pas comme aux États-Unis, mais j'aime bien cette ambiance. Pourquoi c'est pas comme aux États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, il y a la chaleur déjà. La chaleur. Ouais, là, il fait froid, mais il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, il y a de la musique tout le temps, de la musique.
j'encourage. Oh oui, j'encourage les équipes, ça c'est sûr, parce que je suis un esprit sportif aussi. Mais après, c'est vrai que je suis un peu stressé, un peu nerveux. Allez, Alexis! Allez, allez, les filles! Allez, allez! Allez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, Karel! Allez! Allez! 5, 6, 7, 8. Pendant l'échauffement, on a tout réussi, on a réussi tous les stunts, toute la pyramide. Bon, on n'a pas fait le tumbling parce que les tapis c'était pas très bien. C'est vous qui contrôlez l'énergie, l'attitude, oui. Oui. Et l'ambiance, oui. Oui. Oui, c'est vous, chacune et comme en équipe. Ok. Donc, on fait ça. Oui. 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 Tous les tumbling, oui. Synchronisez. Oui. 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 Vous pouvez faire. Non, oui. C'est tout. Oui. Bases, big pops. Ok. Oui. Respirez. Respirez, tout le monde respirez, pas paniquer. 1, 2, 3, 4, excess, red, hot, excess, it is red, hot. Tic tac, see ya, tac, say, is, es, encore, say, is, es, plus fort, say, is, es. 1, 2, 3. I come well. Here we go. Yes. C'est moi ici. Jamais quelque chose arrive. Vous mettez le sourire. Move on. Oui, oui. Vous êtes professionnels. Oui. Oui. Let me come and see you. Jusqu'à la fin, la pyramide. Je suis sûre que c'est incroyable. Oui. Yes. Allez, les matchs. Pyramide, connaissez-vous juste que j'avais entendu ça. Oui. Connaissez-vous bien le groupe de Joy. On a tout fait là qu'on va faire la même chose. Yeah!
Bah, c'est exactement le même schéma que les qualifs de l'année dernière, où on commence très bien et on a une première chute. Et là, en fait, je pense que c'est juste la confiance de l'équipe qui a chuté. Et dans la routine, ça a été le bug total. Après, on a toujours la pression de bien faire. On est champion de France et ça fait 3 fois. Et on va au championnat du monde et on ne peut pas se permettre d'avoir honte de notre routine. Après, bah voilà, il vaut mieux que ça arrive au qualif qu'au final ou au Worlds. Et c'est toujours un bon point. Nous, on ne marche pas quand on est confiant. Donc, a priori, c'est plutôt un bon point qu'on soit chié au qualif. Après, ça fait toujours du mal de l'entendre et de se dire que ce n'est pas grave. Et les chutes de parchemin ? La pyramide, c'est du gâteau. Et à part ça, il y a une chute. Ah, pas ça, je suis pas. Qui double le ouais. Par terre. Qui double, on est tombé par terre. Par terre. Tous, les quatre. Je suis sérieux. Tiens, les quatre. Les quatre, c'est des quatre. Nous. Ah, vous passez. Mais oui. Quand non. Qui double. Ah, sérieux pas, qui double. On s'est tous ramassés par terre. Pas une partie là, comme dans le truc là. Pas une partie là. Mais si là. Oui, comme tir athlétique. Ouais, voilà. Ouais, mais ça avait pas le même effet, hein. Ouais, on s'est cassé la gueule, mais sévère quoi. Putain. Et après. Cynthia a été perturbée pendant toute la pyramide. Ensuite, on n'a plus de force. C'était une honte. La deuxième séquence de stun, j'étais super déçue parce qu'on y arrivait. On y arrivait la plupart du temps. Et puis, juste à la compétition, là, on rate, on tombe sur le deuxième TikTok. Je suis une ancienne gymnaste, donc du coup, c'est vrai que la vrille en soi me fait pas spécialement peur. Mais en fait, quand on arrive sur le praticable de la 3FA, c'est un praticable qui ne rebondit pas. Donc c'est juste des rouleaux, une épaisseur de mousse. Je me mets une pression sur cette vrille. Et en fait, là, ça faisait plusieurs entraînements et même au showcase je lançais pas mon full, je faisais qu'une demi-vrille. Et puis malheureusement, hein, comme ça se ressent sur... généralement, les entraînements se répercutent sur les compétitions, j'ai pas réussi à lancer mon full, j'ai fait qu'un demi, alors que je pense que j'avais la hauteur pour faire mon full. Ça va ? Non. Moi, je suis déçu, franchement, je suis dégoûté. Oui. C'était sûr si on allait hitter au truc là, pour voir c'est l'année dernière, ça allait rater, comme d'habitude. I knew it. Comme d'habitude. Mais on a besoin. Ça c'est les choses psychologiques, oui. Ah ben, mais sur les faits, ça va marcher. Qu'est-ce que c'est les bonnes choses? Hein? Rien? Mais le début a bien marché. Ça a suivi. En fait, je sais que le cheer c'est un peu pour nous, oui. Mais quand vous avez fait le stretch pyramid, le crowd a dit. Pour cette stretch pyramide, ils ont fait wow. Et après, vous avez commencé avec le kick double et le tumbling. Oh là, tout le monde a ses dents. C'est vraiment impressionnant. Je sais qu'on avait les shoots, on avait des choses qui ne sont pas bien marchées, mais ça ne retire pas la difficulté que vous avez essayé. À mon avis, c'était une très bonne routine pour la qualif. Ok? Vous avez fait mieux que j'ai pensé. Vous avez fait mieux que l'entraînement. D'accord? Repare quand j'ai dit, vous faites comme vous faites à l'entraînement. On a besoin de faire mieux à chaque entraînement maintenant. Ok? Il y a combien d'années? À partir de ce moment, j'aimerais que vous, quand vous sortez ici, vous restez avec la tête haute. Vous mettez un sourire, vous faites semblant, c'est ça? Si vous ne voulez pas, faites semblant, ok? Vous restez professionnel, ok? Non mais ça m'a saoulé parce que le stun qu'on arrive vraiment à la même place. C'est vrai.
En plus, on était devant. C'est des trucs comme ça qui arrivent. Après, on est encore plus fort. Hein? Après, on est encore plus fort. Et ça arrive plus jamais. Et cheer excess! Pas mal les Cheer Excess. On les applaudit encore, les Cheer Excess. Il y en a encore des Cheer Excess. Donc dans la catégorie Cheer Dancing Senior, je vous demande d'applaudir bien fort ABCVE Dragon. Et combien vous n'arrivez pas? Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Nous terminons par la catégorie de Cheer Leading Senior Elite. En catégorie Cheer Leading Senior Elite, son champion Cheer Excess. Deuxième position, Cheer Excess 2. Elle n'était pas parfaite, mais à l'échauffement, on avait bien fait. L'échauffement. Donc, on a réussi, donc au World, on peut réussir. Voilà. On peut réussir sur le praticable, on peut réussir partout. Et on a raté, mais on est quand même deuxième. Et en plus, dans le couloir, j'ai entendu des dames dire que notre routine, elle était bien, elle était magique, parce qu'il y avait plein de trucs qu'ils n'avaient pas vu en France. Et le fait d'innover, bah, c'est bien, ça me fait. Puis les Derlity, oh mon Dieu. Oh, je les aime trop, elles sont trop parfaites. Elle le mérite, elle mérite tellement la première place. Je suis contente pour elle. C'était parfait. On a fait 1 et 2, c'est nos objectifs. Non, je suis contente. Non, ça va, je suis content. Je suis un peu déçue de ne pas avoir fait mon salto, mais sinon, ça va. Et la pyramide aussi, ça c'est un peu bof, mais sinon, ça a été. Parce que l'Eternity, quand même, elle méritait amplement d'être première, c'est sûr. On va reprendre la place de toute manière. On a eu beaucoup d'appréhension. En fait, c'est vrai que cette année, Mélissa a misé sur une routine assez compliquée. Pas spécialement compliquée en soi, mais qui s'enchaîne à une vitesse phénoménale. Et en fait, c'est vrai que quand on rate un élément, on n'a pas vraiment le temps de retourner à l'autre sans être en retard et sans mettre en retard tout le groupe stunt. On a fait beaucoup d'erreurs, donc... Franchement, je pensais pas qu'on allait arriver deuxième. J'ai limite cru qu'on allait arriver troisième. Parce que, enfin, mais finalement, voilà, dans la vidéo, après, on a, enfin, c'est pas des grosses chutes. Enfin, voilà quoi. Bon, tout le début de la routine, franchement, j'étais super contente. Il y a tout qui a marché. Le co-ed, enfin, le partenaire avec Myriam, s'est passé magnifiquement bien. Et donc du coup, on était trop contente, notre tumbling parfait et tout, mais arrivée à la pyramide, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Genre, à la toute fin, d'habitude c'est le stunt qu'on rate jamais, donc on passe en extension du prep, et bah, je sais pas, c'est tombé. Donc du coup, on est surtout dégoûté pour ça, parce que c'est la seule chute qu'on a eue de notre crew stunt. Notre groupe stun là, le mien là, je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, nous, sur les comptes, on se bat sur le groupe de Cynthia et de Joy. Et en fait, eux deux, ils étaient en retard.
Ils ont pas fait. Donc on est là, on les regarde parce qu'on est sur leur compte et en fait nous aussi on est en retard au final. Et quand on regarde bien sur les vidéos, on regarde que le groupe de Victor et de Aina, c'est les seuls qui sont dans le compte pour, pendant la pyramide. Et après on a su rattraper, mais. Oui, on est dans les comptes, ouais, mais au final quand on est monté avec Victor, du coup on a. Je sais pas ce qui s'est passé, ouais, mais, on a rien. Mais après on a réussi à bien rattraper parce que dès qu'on a monté, on a fait directement le flip, enfin le salto avant, je sais pas comment dire. Et non, sinon tout le reste on a bien rattrapé et je suis contente. Ouais, moi aussi, sinon je suis contente de mon groupe 7. Hein. C'était pas. Voilà quoi, mais. Je me dis qu'à chaque entraînement on n'arrivait pas, il y a toujours un problème. Et puis genre maintenant on a compris c'était quoi notre problème faible. C'est que genre en fait on se donnait trop au saut. Et vu qu'on se donne trop au saut, pour le reste c'est mort. Donc maintenant on fait des petits sauts. Ouais, ouais, normal, blasé. Hein. Mais bon. J'aime pas les qualifs, c'est pas bien. C'est... Ouais, ça nous réussit jamais les qualifs. Jamais. Ouais. Jamais. À part en 2011, c'est à quelle année qu'on avait fait 2012? Ouais, c'était pas quand? Ah ouais, mais non, fait. On avait été inondé, genre, le vestiaire avait été inondé. Hein? C'était chez Dragon, mais dans l'autre truc, et on avait tous été inondés. Ah oui, c'est vrai ça. Là, on avait réussi quand même. Premièrement, je suis très fière de les deux équipes, les autres, les partage. Et je pense aussi que maintenant, nous sommes dans une bonne situation parce que nous ne sommes pas le premier, mais nous ne sommes pas les faits pour le final et on peut montrer ce que nous pouvons faire. Et je pense que cette équipe peut faire beaucoup de choses très bien. Et on verra, on va bosser et après ça, voilà. On progresse au fur et à mesure de l'année. De toute façon, mais ça nous a toujours dit que c'était pas bon d'arriver direct en haut. Et parce qu'on avait tendance à ne pouvoir que redescendre. Donc là, on sait qu'on a des choses à travailler et ça nous booste et ça nous oblige et ça nous met une pression de travail qu'on n'aurait pas si on avait juste hit comme ça la routine et qu'on avait été fiers de nous. Enfin, je pense qu'on n'aurait pas donné la même chose en entraînement après.